Google Earth est un logiciel développé par la société Google permettant une visualisation de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. Google Earth, il y a un logiciel que Google a développé. C'est dans son ensemble. Au fait, le mot Earth en anglais, ça veut dire la Terre. Teto, Earth, anglais. Alors, Google Earth, satellite, Google Earth, image on va vous donner un peu d'image on va dire, on va Google Baco, ne est-il un ordinateur portable là, un ordinateur là, pour que tu l'utilise, ne tu n'as pas bon 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 pour gérer d'ailleurs. Ok, non, bien avant, je me disais Google Earth, on va, il est mon genre, mon bar, on va nous lui dire, est-ce que on peut se manager mandat, on a oui, mandat ou le mandat, est-ce que on peut se manager? Eh, c'est vrai, Rami, il me dit, pas un bon 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 bon, il y a un peu de temps, il y a ok, et Google Earth, et tu jamais, et ok. Alors, il y a un peu de sans problème, et la télécharger Google Earth, ok, mais nous avons un portable, elle est un peu de temps, il y a 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 un peu de Je vais vous montrer une limousine. Google Earth yo ba nwa bgeden we me hi we concretement avantage wa mba boy Google Earth da. Ok, c'est simple vidéo gnu gda le mal avantage wa na dzu. Ok, me baga za borwa mndango yo miro LSA et la découvrir avantage wala la role et da so et mam commentaire da nigero le mal vidéo le kun basen lala. Alors avantage wa mba me hi jine yo e ka jala le Google Earth ngo kizo nu rusete tinyine andra wa ndndndndndna we. Ok, au fait, Google Earth, je vais vous conseiller pour les gens qui sont encore sur les bancs ou bien qui font quelque chose avec l'éducation, quoi, ok? Surtout, ma géographie et voyage, c'est très, très utile, ok? Avec Google Earth, c'est une concurrence, ok? Je vais vous dire, cascade de pime, ok? Je vais vous Google Earth. Mais avec Google Earth, tu as une bonne idée où ça se situe, le paysage, et ça, ça s'applique avec tout, ok? Alors, avec Google Earth, pas ben, you know, non, ok? Des fois, nous, donc, nous, un monument, peut-être Tour d'Eiffel, en attendant qu'il y ait un besoin dans le monde, dans le verre, tu peux aller sur Google Earth avec ta curiosité, le zoomer, ou le Paris, Google Earth, le zoomer, dans le tour des fêles, dans le voyage, dans le structure, dans le dimension, l'étudier, tout ça là, c'est le savoir.
non bole avec tout ça aussi ça t'encourage que uri le nyar nje nyand ndal bere yawe mais en attendant ta yel ne ene manque de moyens wa besindro handicap yawe alors bi wa malak de vidéo wa benete any but as en attendant que moyens wa talimis dale nous avons déjà un outil informatique qui nous permet de faire de grandes choses alors on a qu'à essayer d'exploiter ça ndo meyo do troisième point go malak juge très important par rapport aux avantages de Google Earth yo. C'est pour les enseignants, ok? Pour les écoles, le mardi soir, non, le dit chagong, c'est géographie. Et pas créé, était au tableau, c'est le cours d'eau du Togo. C'est que vous n'avez pas fleuve mono, que vous n'avez pas de fleuve mono. Pour moi, ça ne me disait absolument rien, ok? Parce que c'est. Vous voyez, mais c'est manu d'ahia, ok? Mais grâce au logiciel comme Google Earth, ok, l'enseignant peut. L'enseignant peut. Être portable et maintenant zoomer sur un cours d'eau. Par exemple, l'exemple Lac Togo. Si un enseignant veut faire un cours sur le Lac Togo, il prend son portable et le zoomer au Lac Togo. Il voit la superficie, toutes les dimensions, l'entourage, tout ça est là-bas. Et c'est encore plus réel, quoi. Ok, enseignement avec illustration. Puis non, pour que les schémas apprennent. La compagnie. Yeah, oui. Au fait, je n'invente rien. Je me dis, mon dos, je me dis, appareil Android, Google Rini Style, claque bien à vous. Alors, moi, mon boulot ici, c'est que mon bako, il m'a en bas, courum, chaque semaine. Le malak m'y expliquer en détail. Son nom, le bambo, est Google Earth. Et moi, je me dis, enseignant, avec Google Earth, vous pouvez utiliser ça pour aider vos cours, vos élèves dans les salles de classe, ok? Portable, ministre, heureusement, Romeo, pour au moins des écoles. Alors, il faut utiliser ça, surtout pour les cours de géographie, ok? Et ça, c'est en détail, ok? Malakoyo, Mendengoyo, Mamamunglu, Maolo, Nazen, Navron, pour que elle a qu'elle ait une difficulté, ouais. Ok, non, bien, non, donc c'est moi, et moi, parce que nous, nous, Google Earth, c'est simple. Google Earth vient en quatre versions. Version mobile, ouais, version web, ouais, version Mac, ouais, version PC, ouais, ok. Il y a Android, il suffit simplement que nous, le Play Store, Google Play Store, nous le télécharger. Nous, qui est non, dans le cas, non, Google Earth, de Google. Alors quand tu vois ça, nas ngole. Alors ngole, là vous téléchargez. Là vous téléchargez là, tu vas voir mon recherche au bire. Mbuni noyo, le zoomer bidani, dalbrio. Ok. De la même manière, ils ont venu ene. Bon, ils ont un ordinateur. Alors il faut aller sur l'adresse là. Ok. Comme maman j'ai dit, www.google.com/vers-avant-earth. Ok. Ou encore dans votre moteur de recherche, besoin de Google Earth directement. Et vous pouvez maintenant soit utiliser la version web, c'est-à-dire elle a téléchargé, elle a que des navigateurs, elle a utilisé navigateur d'Aboba. Ou encore, vous pouvez télécharger et installer sur votre PC ou votre Mac. C'est une connexion à un problème à Uriuri. Vous allez télécharger, elle remet des ordinateurs, elle a utilisé Babayo. Ok, alors sans plus tarder, Moki, mon portable. Mon Google Earth, je vais prendre deux trois exemples. Je vais prendre deux trois exemples. Je vais prendre deux trois exemples. Merci. Non, c'est un portable. Je vais prendre le Play Store et Google Earth. Je vais prendre l'ordinateur. Google navigateur www.google.com/vers-avant-earth pour accéder à Google Earth plateforme. Alors, je vais vous présenter l'endroit où je vais visiter, pour parcourir le globe terrestre à travers l'appli Google Earth directement dans notre portable
vous sur votre ordinateur. Détail, vous verrez. Vous avez pas mal d'alerte, c'est calé. Il n'y a pas d'alerte. Ok, non, on a un endroit de la jungle. Nous avons un lac Togo. On va visiter le lac Togo. Ma recherche là, n'a pas la validé. Ok, non, on va pas courir. Google appelle ce processus voler vers. Voisin ou avion dans le bac en Zibidissi. Ok, non, on va barrer au Pidissiro, lac Togo. Ok, d'abord, il y a toujours une fiche, okay? Fiche d'information. Les endroits, tout ce qui a trait à l'endroit que nous visitons, quoi. Nous avons un lien ou internet, si on voulait plus d'informations par rapport à l'endroit que nous visitons. Il y a toujours l'internet, une information. Non, non, ok, aperçu deux dimensions d'Agaléo. Ok, mais les aperçus, moi, les trois dimensions. Là. Mais les armes ont trois dimensions d'agale. Ok. Non, vous voyez ça comme un avion d'aquai, vous volez à une basse altitude, mais vous voyez autour de vous quoi. Non, non, elle a que zoomé. Okay. Quand vous zoomez, les détails deviennent plus clairs. Okay. Et quoi, mine d'aloite, de portail au le hair. Là, vous voyez le lac Togo, d'ailleurs, vous voyez les cours d'eau, vous voyez la rivière Haho. Des rivières à haut lac vers lac Togo, d'ailleurs c'est ça que vous voyez sur l'écran ça. Ok, alors ça c'est très important pour les enseignants. Ok, on va expliquer cours de géographie, exemple pratique wa goyo osumba benne labana illustré bini bidajamien. Ok, vous voyez l'étendue d'eau des superficies wa haut information fiche d'information verio en a détail wa on est allé zoomer en détail au plus clair. N'ayez pas peur, pas mis de portable, elle a essayé. Ou un rôle, laissez-moi le message dans les commentaires. Ok, non, non, on va encore visiter un autre endroit. Ok, maintenant nous allons aller à la place de l'indépendance à Lomé. Ma recherche, j'ai mal validé. Là. Nous allons encore voler vers là. Voici l'avion d'Aquaman, place de l'indépendance de l'Aquaman. Ok, là-bas, vous voyez la fiche d'information aussi. Tout ce que vous voulez savoir par rapport à ce monument, c'est listé là-bas. Aquaman, okay. Tout ce qui a trait, c'est là-bas. Ok. Non, non, yo. Vous voyez l'endroit. Je vous donne une vue générale du quartier. Donc vous voyez, par exemple, vous voyez un stade omnisport non européen. Ok. Là, le quartier administratif où on est exposé, bien. Vous voyez les rues, bien détaillées. Je n'ai jamais de bureau, je n'ai jamais de nord. Ok, à présent, nous allons faire un peu de street view, ok, c'est-à-dire vue de la rue, quoi. Ok, malak zoomé, il y a un petit poupée, n'a pas vu, mais vous allez voir comme si vous étiez sur la rue. Non, mais vous voyez, c'est un peu de ok. Tout ça, là, c'est la technologie, ce n'est pas la magie. Je vous fais cette vidéo de ma maison, mais je vois ce qui se passe en ville, ok, à côté du monument de l'indépendance, ok. Alors, c'est ça vraiment la technologie, quoi. Et tout ça là, pour de bon, c'est, vous avez ça déjà dans votre main. Vous voyez, je peux zoomer, voir de tous les angles. Dans le bois, vous voyez, moi, j'ai un hôtel de février, non, d'Agalène, mais les sous-palais, si je vais encore un peu à gauche, un monument, place de l'indépendance. On a ma sénèque pour que mon datmi vous l'aperçu général dans le quartier. Okay? Supposez que. Okay, maintenant on va parcourir un peu
le quartier malak me dirigeait vers des Congolais, ouais, boulevard de 13 janvier c'est tout. Et bon nom, vous n'êtes pas obligé d'être à Lomé pour voir ça. Il suffit seulement d'avoir une connexion internet, un portable dans la main, et vous allez faire ceci. Ok. N'importe quoi vous voulez voir, si ça est sur cette planète, vous allez voir ça. Ok, maintenant je vais vous amener même au Ghana. Ok. On va visiter le centre commercial de Accra Mall. Ok. Ngogwe, Tete Kwashi, on va aller là-bas, on va visiter ça. Je fais la même chose, je mets ça dans la recherche, je valide et maintenant Google va nous voler vers là. Ok, vous voyez déjà les noms. Alors ce que moi je vais faire, je vais zoomer. Je me dis, Accra Mall, le centre commercial d'Agale. Vous voyez ça, c'est la vue d'Accra. Un échangeur, une avenue de l'indépendance en allant vers 37. Mary Yok 37, the person in it. The part that they question about mall, okay? Medina have even way me, okay? Baba Zama Accra, you won't voir ça en temps réel ça, okay? Accra Mall gale, but the parking lot gale. Erin no, okay? On ombe, okay, then I'm malaka terrir, then no, in the street view, pour voir les choses plus détaillées, quoi. Then I'm bien, je suis encore dans la vue aérienne ça. Je peux descendre, par exemple, en bas, même. Dans les endroits publics comme les centres commerciaux, même à l'intérieur, je peux voir. Alors, je peux choisir une boutique et je vais atterrir dans la boutique et je vais voir comment les choses sont étalées. Ok, vous demandez là. Alors, il parle de soit mais en attendant, tu peux utiliser Google Earth, tu vas visiter ces choses-là virtuellement. Ok, le savoir est déjà dans notre main, il suffit de l'exploiter, c'est tout. Moi, je fais ça rapidement pour vous montrer, mais le portable, vous prenez votre temps, vous allez en détail. Ok, voilà, j'ai atterri dans une boutique. Dans le centre commercial, ok. Alors je suis de mon salon ici, ok. Mais me voici en train de naviguer dans les boutiques, dans les centres commerciaux à Accra, ok. Ça c'est la technologie, ce n'est pas la magie, ok. Yo, elle essaye, mais non vous voyez. Ok, allez pour nos rôles, n'oubliez pas les mêmes commentaires, ok. Si vous découvrez autre chose. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Alors c'est pratiquement ça pour aujourd'hui, ok? Et non, exemple, ah ouais, elle est vérifiée, tout doit être rôle. Merci. J'espère que nous Je ne sais pas si vous avez un numéro de YouTube.